Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo découverte. Vous êtes avec Rada et là, je vous fais découvrir le Batman. Alors le Batman sera en... Tellement stylé que je me suis tué subitement et que vous avez dû croire que mon micro ne fonctionnait plus. Allez, avouez-le. Alors écoutez, petite différence pour cette vidéo découverte, ce qu'on va faire les amis, c'est que je vais juste fermer ma grosse bouche, d'accord, et je vais même couper mon micro. Et je vous dirai ce que j'en pense à la fin de l'épisode, puisque écoutez, ça c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr, parce que les séries Telltale, j'adore. Et d'ailleurs, merci Sony, hein, on a les 5 épisodes gratos, donc ça c'est énorme. Je sais pas combien de temps ça va durer, etc. Mais voilà, on va passer sur une petite vidéo demain d'un peu moins d'une heure. Je vous donnerai mes impressions en fin de vidéo. Et puis voilà, et puis j'essaierai d'en faire un petit condensé, un petit film pour vous, si je peux le faire. Voilà, donc écoutez, profitez bien. Là, j'ai mon petit micro sous les mains, le petit bouton de mon micro. Donc, voilà, ça va être un petit peu original, c'est-à-dire que vous n'aurez pas les commentaires en direct. Je vous les ferai après. Les choses bien, les choses moins bien. Mais vu que je suis fan absolu de Batman et que je suis fan absolu de Telltale, il y a moyen que je vous dise que c'était de la bombe bébé. Et ouais, les gars. Ok? Allez, on appuie X et puis on se retrouve dans 3 petits quarts d'heure, les amis. Je vous fais des bisous. Appréciez bien cette série. A tout à l'heure. Oui, je reviens 2 secondes. Pour ceux qui se demandent, j'ai la fibre, hein, donc je ne sais pas pourquoi la connexion est si longue. Allez. Oui, donc là je peux revenir pour ça. Excusez-moi, je vais sûrement faire que ça. Comme c'est une vidéo découverte, donc vous voyez un peu la patte graphique à la Telltale, une patte graphique un petit peu bande dessinée, comics. Vous voyez, c'est du dessin, j'adore. Donc vous avez des fichiers de sauvegarde. Ça vous prouve que je n'ai pas fait le jeu. Alors vous avez l'audio qui est assez fort. Je ne veux pas que ça recouvre ma voix, donc je baisse. Afficher les sous-titres, oui, t'as des sous-titres petits, moyens, grands. On va laisser petit puisque on a de bons yeux. Jouabilité, on évite d'y toucher parce que inverser l'axe Y, mon Dieu, j'ai jamais compris ce que ça voulait dire, mais n'inversez pas mon axe. réinitialiser votre compte social, je n'ai pas de vie sociale, donc je n'ai rien à réinitialiser, eh oui. Vous avez modifié ces paramètres, bien sûr que je vais les appliquer. Sinon, j'aurais pas touché. Alors, les suppléments. Codex, choix, compte Telltale. Je sais pas ce que c'est, les crédits. Hein. Vous savez tout ce que c'est, les crédits. On va pas les lancer parce que c'est la merde. Ça, qu'est-ce que c'est? Mais what? Ah, c'est peut-être un système pour être en multi. Invitez vos amis. Oh, c'est stylé, les gars. Vous pouvez jouer en groupe. Ah, eh, ça, excellente idée. Ça me fait penser, vous savez à quoi? Pour ceux qui ont joué à Star Wars, le MMO. The Old Republic, voilà, je cherchais le nom. C'était ça, vous étiez un groupe de 5. Et quand vous aviez des choix à faire dans l'histoire, bah, c'était à la majorité. Et donc ça, c'était énorme. Franchement... Donc ça me fait penser à ça et c'est plutôt pas mal. Alors le compte Telltale, on va pas y aller. Et le codex, évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Batman, je vais pas vous faire un résumé, hein, les gars. Hein, c'est
Voilà, vous n'appartenez pas à ça. Oh, Harvey Dent est bien moche. Catwoman, depuis que... Comment elle s'appelle? Albury l'a fait. Elle est black tout le temps maintenant. C'est marrant. Ça me dérange pas, elle est super sexy, hein, mais... Ah ben non, je dis des conneries. Mais dans les jeux, parce que... Ah oh ouais, c'était comment? Anne Hathaway, je crois, la dernière Catwoman, des films pourris de Batman, là. Et là, tout le monde va dire, quoi, les films pourris? Mon Dieu Seigneur, The Dark Knight. Ah, la grosse blague, enfin bref. On va pas partir là-dessus, parce que j'ai pas envie que vous ragiez, que vous mettiez les pouces rouges. Ce serait pas très gentil. Juste parce que nos opinions divergent. Non, non, non. Et je ne perdrai pas mon temps à argumenter. Donc Catwoman sexy, c'est vrai qu'Albury était sexy, mais Anne Hathaway, wow mon dieu! Bref, on n'est pas là pour ça, Asile d'Arkham, enfin vous connaissez tous le système de Batman. Donc voilà des petits suppléments, des petites vidéos, voyons les petites vidéos. Je crois que nous n'en avons pas. Quand tu veux! Imaginez, j'ai la fibre. Imaginez sans la fibre. Ah, d'accord, ce sont des petites vidéos pour le making of. Mais pourquoi le son est remonté fort là-haut? Ah, d'accord. Écoutez, bah, ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà, vous avez des petites révélations. Alors c'est une vidéo découverte, je vais pas vous... La première bonne annonce en première mondiale, épisode 2, 3, 4 et 5. Je vous rappelle qu'on a les 5 épisodes. Bon voilà, vous voyez. Donc plein de petites vidéos pour les fans. Moi je suis assez fan, j'aime beaucoup ça. Je trouve ça sympa. Alors attendez, j'ai l'impression que le son est remonté d'un coup. On va baisser d'un cran. Hein. Voilà. Bon bah écoutez, maintenant je vais fermer ma bouche et puis on va apprécier l'épisode 1. Peut-être pas en entier, je sais pas combien de temps ça dure. Une partie d'épisode 1 et puis bah vous suivrez mon let's play si vous voulez les autres épisodes. Allez, à tout à l'heure les amis. Enjoy! Je reviens parce que l'épisode n'est pas commencé. Bonjour, c'est moi. On peut sélectionner une couleur pour la Battech, dis donc, mais c'est plutôt stylé tout ça. Alors, bleu c'est chouette. Rouge ça fait peur, ça fait état d'alerte. Jaune, c'est pas mal. Et violet, ça claque, les gars. Violet, ça passe bien. Ça commence. What are you?
Get it open. On it. Hey, you think he's gonna show? He'll bring the whole goddamn place down. Stay focused. We'll be out of here before anyone can stop us. Move in! No wonder the cops want him dead. Hey, you ever seen him? Yeah, Gotham Zoo. With all the other flying animals. Bruce, you can't keep doing this. I have to. No one else will. Every drop of blood, everything you've sacrificed, the city is safer now. It's made you a target. And people will keep you in the crosshairs until you're shot out of the sky. Criminals in this city, they need something to fear. Shit! Where'd he go? Whatever got in, don't let it get out. Back, circle up! I know you're trying to create a myth, but be careful you don't turn into a monster. Sometimes you need a monster. Come at! Come on! Come on! Thank you.
mother teach you to knock? Behind you, big boy. Heyday. Intimidating, you're succeeding. Criminals are becoming afraid of you, so are the police. It's a scare tactic, Al. Just a performance. Without a scratch. So far. That doesn't belong to you. I was wondering if we'd cross paths. You broke the law. Here I am. Cut the shit. The law. Don't tell me that's why you do all this. Squeeze into a suit, tie on a cape. Most people dressed up like that end up in Arkham. Gotham needs a hero. Someone to hunt down people like you. So that makes me, what, a villain? Sounds fun. Gotta admit it, though. You give a good chase. One day you might actually catch me. Tonight. Don't you know not to corner a wild animal? It's dangerous. Then let's put you in a cage. Bring it, Bat. It's over. I wouldn't be so sure. Why go to all that trouble for this? Shit! A myth can't be killed. You, however, are flesh and blood. God damn it! I said don't shoot! No! Wait! Ugh.
guess I was wrong about you catching me. Not sure if it was for my sake, or yours. Don't struggle or you'll fall. Oh, but that's what you crave. The struggle. I know men like you. Bye, Bat. Step out of the shadows and be Bruce Wayne tonight. Oh, that's a much harder fight. Don't let tombstones be your family legacy. Well then. Time to save the city. Thank you, everyone. A humble district attorney like myself is not used to such a ringing endorsement. Even one who cut Gotham's crime rate in half. Now, for too long, this city has burned with corruption and greed under Mayor Hill's authority. But I promise you, a vote for Harvey Dent is a vote to finally put your foot down. And together, we can stamp out the fire and save our great city. If only Mr. Wayne, my campaign's largest backer, could have heard that applause, he would Well, there he is. Fashionable and fashionably late, as always. Say hi, Bruce. Welcome to Wayne Manor, everyone. My apologies for the late arrival. Oh, not to worry, Mr. Wayne. We've all made ourselves very comfortable. Thank you. Thank you again, everyone, for your unwavering support. Together, we will change Gotham. Mr. Wayne, thank you for opening your house to us. Now, I know this is the biggest mansion in Gotham, but I don't think you got lost on your way here. Where were you? I know you prefer the brooding billionaire angle. So the sooner we make nice with the donors, the sooner everyone will leave you alone. Just wanted to make an entrance. Congratulations, you almost missed it. You are a pillar of this city and my campaign. I need you here, tuxedoed and shaking hands. No one came here tonight to see me. Some champagne. They want to see the Bruce Wayne, am I right? And I can see him just fine from here. This shouldn't be painful. It's not a kidney stone. It's only a little FaceTime with potential donors. Your face, specifically, with a mouth that's saying, "Support Harvey Dent!" We're the grease, they're the wheels. And they're rolling in enough cash and votes to help make Gotham a place for families again. A little liquid courage before facing your adoring public. This'll help you too, Bruce. Once I've turned this city around as mayor, you'll be a hero for funding my campaign. Now all I need is a decent slogan. I'm terrible at those. It always makes me sound like a used car salesman. Which, for the record, I have not been since before law school. All right. How about, our hope is in Harvey? Look at you. That's not half bad. I'm gonna use that. Bruce, I meant what I said. Together, you and me, we change Gotham. A city free from crime, where children can play in the streets again. That's what I want too, Harvey, but you know how rough it is out there. We have to shake things up to make that happen. Well, we can start with a few hands, Come on. Mr. Wayne, I'd like to introduce you to Bob and Regina Zellerbach. Of course I know these two. Hello, Bruce. Regina here is the chairwoman of Wayne Enterprises, and her husband voted for Mayor Hill last time. I'll admit it, Mr. Wayne. I don't know Mr. Dent from a pothole on Main Street, but I trust your family. If
you believe in Dent, we believe in you. After all, whoever you support is a reflection on you. And we trust someone like you to lead this city to greatness. A man of few words is often a man of action. Just like your father. Old families like ours should flock together, you know, like birds. You're preaching, dear. No, it's true. The Waynes and Zellerbox are reminders of the golden age of Gotham. This city's luster faded years ago, Mr. Dent. Look at Gotham now. Murder in the streets, corruption in City Hall, that Cape Bat Freak dealing out vigilante justice like it's the wild goddamn West. Oh, Bobby, regarding golden age, seems you're getting cranky in yours. There's always hope. Forgive me for being blunt, but one man can't save this city. And it's a dangerous mentality to think so. That's how you get creeps like this Batman. Harvey Dent is our best shot. Put him in a room with anyone for 15 minutes and that grin will win him over. He's gonna need more than that, son. Well, it hasn't been 15 minutes yet, Bob. We've still got time. Don't worry, though. I am not doing this alone. With Bruce's help, we're replacing the dangerously unsecure Arkham Asylum with a state-of-the-art mental health facility to help Gotham's most at-risk individuals. It will be dedicated to Thomas and Martha Wayne in the hopes that their fate will never be repeated. After all your parents did for this city, oh, to be killed in a botched robbery in some alleyway, it was terrible, truly terrible. A tragedy like that at such a young age must have been crippling. If only that deranged man had gotten the right treatment, maybe... Well, I don't like to think about maybes, and I'm sure you don't either. Well, Harvey is the one who's been behind the project since day one. A vote for him is a vote for the memory of my parents. You'll have it. Thank you. Thank you both. Not saying I doubted you, but that went better than expected. It is a night of ringing endorsements. Harvey Dent, Gotham's next mayor, and eager to know you. Vicki Vale, not interested, and reporter for the Gotham Gazette. This is a private fundraiser, Miss Vale. No reporters allowed. Well, you don't mind if I stay and ask a few questions, do you, Mr. Wayne? Well, you can ask me whatever you want at the press conference tomorrow. Actually, I'm here for Mr. Wayne. Well, he certainly doesn't have any time either. Tonight is strictly off the record. We can talk, but nothing gets written down. I'm okay with that. I was just hoping to see what makes Bruce Wayne tick. This is quite the social event, Mr. Wayne. Oh, come on now. It's so formal. Call me Bruce. Well, Bruce, you've been going around pleasing everyone tonight. But how are you doing? You should enjoy your own party before all the champagne runs out. Well, I'm doing better now that you're here. Well, I'll tell you, if all these stuffed shirts weren't around, I'd give you the private tour. Mr. Wayne, you've got something on your collar. Is that blood? Yeah. It looks like... Oh, this? No, that's nothing. It just, cut myself shaving. What, your butler didn't help you this time? Hey, kidding. Kidding. Do excuse me, Master Bruce, but another guest has arrived. I'm sure they'll find the bar. You may want to greet this one personally, sir. Carmine Falcone? Is the Dent campaign soliciting votes from Gotham's biggest crime family? Falcone's never been convicted of anything except being a businessman who loves this city. Excuse us, Miss Vale. And what kind of business do you think he's in? The one that controls enough votes to get me into City Hall. This is the necessary evil of politics, Bruce. It's in the service of a better Gotham, for all of us. Look, at least hear him out before you kick him out. Falcone requested to speak with you directly.
Maybe he can change your mind. I don't want him in my home. Actually, you don't want him angry. Trust me. A word of warning, Bruce? Play nice. You know, I've been in the market for a new house. Decent walk-up, sky-high ceilings, plenty of room for my cars. I think I'll take it. Though the decor offends my eyes. Man, all flash, no class. Well, you couldn't afford it. Yeah, right. Carmine Falcone, thank you for welcoming me into your home. You're a respectable man, I hear. Gentlemen, perhaps we'll all be more comfortable in the parlor. Follow me, if you will. You should know, Mr. Falcone, my analysts say we're raising triple with Mayor Hill. Hey, what's... Private audience. Oh, come on, guys. Bruce? You'll be fine out there, Harvey. I saw plenty of skirts to keep you busy for a few minutes. Harvey stays with us. A man's home is his castle. I respect that. Seen and not heard. Whatever you... What did I say? Mr. District Attorney here wants to make sure the rules are followed. But in my experience, there's the law, and there's doing what's right. You understand? And I'd rather see Harvey actually help this city instead of just saying he will. Unlike most people I've met, Harvey actually has integrity. He's trying to make Gotham a better place. So am I. So are you. Hey, we all carry this city on our broken backs. Might lighten the load if we do so together. I ain't here to chinwag about politics, Mr. Wayne. Gives me indigestion. I got enough of that as is. So, let's talk relationship. Chalk this for me. Be a pal. I can get Harvey the mayor's seat, or I can pull it out from under him. Whatever happened to being a gracious host? Okay, imagine, this is me. And these are all my friends in Gotham. The businesses, restaurants, clubs, docks, unions, politicians. I make them all move, and I want to keep everything moving if Harvey gets elected. That's why I came here tonight to your lovely home, hoping to make a new friend. One who can help Mr. Dent see the light, if need be. Between your businesses and mine, I bet we employ half the city. Yeah, that's not happening. Hey, this isn't a deal with the devil. You listen to me, kid. I know somewhere inside that tuxedo you understand this situation. Money gets money. The risks, the alliances, the hidden costs. Your father knew which hands to shake. And which to break. Don't you dare talk about my father. You're getting worked up over nothing. Hell, I knew him longer than you did. People don't say no to me. Not for long. Master Bruce, your guests are leaving. I recommend seeing them out. You wouldn't want to be rude. Heed your butler's advice, kid.
Oh, and I'm no longer interested in buying the house. The owner's a prick, and he's gonna get what's coming to him. Et voilà les amis, je suis de retour. Alors, j'ai pris cette décision, j'ai réfléchi hier soir. Je me suis dit, est-ce que vraiment je me tais? Est-ce que je fais pour une vidéo découverte ou même un let's play comme ça? Ben écoutez, oui, j'ai penché pour ça. Pourquoi? Parce que, tout simplement, je ne peux pas m'empêcher de dire des conneries. Alors pour ceux qui me suivent, même ça fait pas très longtemps, vous commencez à me connaître un petit peu. Je dis beaucoup de conneries, beaucoup de choses qui me passent par la tête et ça vous aurait un peu pourri l'immersion. Vous voyez ce que je veux dire? Là au moins, je sais pas combien de temps ça fait, mais une bonne demi-heure, vous avez pu vous lancer dans le jeu et voir si ça vous plaît. Vous voyez ce que je veux dire? Et même moi, ça me permet de m'immerger un petit peu plus. Donc spécialement pour cette série, eh ben je ne mettrai pas le son pendant, évidemment, pendant les dialogues et tout ça, mais je serai toujours près de vous, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, je note, puisque c'est sûr que je vais en faire un let's play les gars, donc Batman, telle série, épisode 1, est-ce que je mets un titre, est-ce que je mets pas de titre, qu'est-ce que vous en pensez? Mais écoutez, dites-le moi dans les commentaires, ouais, voilà, dites-le moi dans les commentaires, et puis je verrai si je mets un titre ou pas, pour l'instant je ne mets rien. Donc voilà. Bah écoutez, moi ça m'a bien plu. Alors pour les points forts, j'ai bien aimé évidemment la patte graphique telle, ça j'adore. Qu'est-ce que j'aime d'autre? C'est assez rythmé. Vous voyez, c'est ce genre de jeu telle, je vous les recommande. Hein. Alors j'en ai fait qu'un, c'était Tales of the Borderlands. Énorme, super histoire, super chose, très sympa franchement. Les choses, donc voilà, ne jamais lâcher votre manette. Moi, je lâche tout le temps ma manette pour me gratter à droite, à gauche, tout ça. Ne le faites pas dans Tales of the dans les séries Telltale, si n'importe quoi. Et pas dans le Batman non plus, parce que voilà, il y a des phases d'action. Ce qui est aussi sympa, c'est vraiment, vous avez le choix. Vous voyez, là, j'ai décidé, Falcone, c'est un mafieux. On joue Bruce Wayne, même si Bruce Wayne, ce n'est pas Batman. Enfin, ça l'est, mais pas en public. Il va pas s'associer à un mafieux. Non, ça reste un homme d'affaires intègre. Donc je reste dans cette ligne de conduite. Vous voyez, quand Catwoman tombe, vous auriez pu prendre le parti de ne pas appuyer X, puisque ce n'est pas parce que des choses s'affichent à l'écran que vous devez les faire. Si vous les ratez dans les combats, vous prenez un coup, d'accord ? Si vraiment vous ratez tout et vous ne faites rien, bah ça fait un game over et vous recommencez la scène. Mais il y a des scènes que vous n'êtes pas obligé de faire. Voilà. Donc ça, c'est quand même super intéressant et super sympa. Ça change les choses, vous voyez, c'est marqué s'en souviendra, fera ci, fera ça. Donc ça changera un petit peu l'histoire, évidemment, pas dans les grandes proportions, mais souvent les réactions des personnages, s'il y a des morts, etc. Enfin bref, on découvrira ça dans le let's play. Moi, écoutez, ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Donc je pense enchaîner avec l'épisode 2, qui sera l'épisode 1 du let's play. Et voilà, ben écoutez, pour cette vidéo découverte, ce sera tout pour moi. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt dans le let's play, et surtout pour le troisième jeu de vidéo découverte. Allez, salut les gars.